Sixième point, en ce qui concerne le marketing, la relation client. Parce qu'une fois que le client arrive dans ta boutique, s'il n'y a pas une bonne relation client, quand il va partir, il ne reviendra plus. Alors que le but, c'est de garder ton client, de le fidéliser afin qu'il puisse revenir. Parce que regarde ce qui se passe si jamais ton client arrive et il ne revient plus. Et bien, chaque fois, tu vas devoir injecter beaucoup plus d'argent dans ta com. Alors que le but, c'est de baisser les charges de la com, mais d'augmenter ses bénéfices. C'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne relation client. Et l'une des clés pour avoir une bonne relation client, pour que le client se sente bien en ta présence, c'est de sourire. Ma personne, un vendeur qui ne sait pas sourire doit arrêter de vendre. Malheureusement, de ce côté-là, chez nous en Afrique en général, on pêche beaucoup. Parce que des fois, tu arrives dans un supermarché ou dans un magasin, tu trouves une vendeuse, elle a la bouche attachée comme le coquille, on dirait qu'elle n'a pas mangé le matin. Non, souris. Chacun a ses problèmes. Mais quand tu viens et que tu te comportes comme un professionnel, il faut que tu oublies tes problèmes. Quand ton client n'a pas besoin de savoir que tes enfants ont chauffé toute la nuit, ce n'est pas notre problème. Quand le client vient, il te donne l'argent, il attend un service en retour. Et si en plus de ça, tu mets la forme, tu es aimable, tu es souriant, mais il se sent bien, il a envie de revenir. Deuxième point, ma personne, toujours en ce qui concerne la relation client, cherche à retenir les noms et prénoms de tes clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que la chose la plus importante pour un homme ou pour une femme, c'est son nom. Quand tu appelles quelqu'un par son nom, il se sent concerné par ce que tu vas lui dire et il t'écoute. Il se dit, s'il ne m'appelle pas mon nom, ça veut dire qu'il me donne une certaine importance. Donc, moi aussi, je vais lui mettre sur un piédestal. Récemment, j'ai fait une petite expérience. J'ai créé une liste de diffusion sur WhatsApp et j'ai envoyé un message groupé à tout le monde. Dans la première expérience, j'ai envoyé à 100 personnes. Et parmi les 100 personnes, je n'ai nommé personne. C'était un message anonyme. Sur les 100, il y a à peine 10 personnes qui m'ont répondu. J'ai refait la même expérience quelques jours plus tard. Sauf que cette fois-ci, j'ai envoyé le même message, mais individuellement, en prenant le temps de mettre un nom sur chaque personne. Tu sais combien de personnes m'ont répondu? 90 personnes m'ont répondu. Ma personne. Le nom d'une personne, c'est la chose la plus importante pour la personne. Parce que le désir le plus, comment dire, le plus vigoureux pour chaque être humain, c'est le désir de se sentir important. Donc lorsque tu accordes de l'importance à l'autre, en retour, il t'accorde aussi de l'importance. Parce que les hommes et les femmes aussi sont par essence égoïstes. Les hommes ne sont intéressés que par ce qui les concerne. Si tu veux un petit exemple, regarde, lorsque tu prends une photo où vous êtes en groupe, qui est la première personne que tu regardes? C'est d'abord toi. Quel est le mot le plus utilisé par les hommes? Deux lettres. Je. Le mot le plus utilisé par les êtres humains, c'est le je. Tous ces petits signes montrent en fait que les hommes en général ne sont intéressés par ce qui les concerne. Donc, si tu réussis à montrer à quelqu'un, à un prospect, que tu t'intéresses à lui, en retour, il s'intéressera aussi à ton produit, you know, de ma personne. C'est très important la relation client. 7. Le processus d'achat. Quelles sont les différentes étapes que ton prospect doit traverser pour pouvoir acheter? Il faut que le processus d'achat soit le plus simple possible. Et aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital et en général, il faut faire un clic, il faut aller sur un site, nanana. Ma personne, il faut que pour que ton client puisse payer, que ce soit hyper simple. C'est d'ailleurs pour ça que certains sites, certaines plateformes ont créé des applications. Ils t'enseignent que une fois que tu installes l'application, si tu veux procéder à l'achat, tu as juste à appuyer sur un bouton et c'est fait. Donc, essaye au maximum de faciliter l'achat pour tes clients. Parce que si c'est compliqué, les gens vont se fatiguer. Les gens sont par essence paresseux. Plus le client réfléchit pour acheter un produit, plus les chances d'acheter le produit diminuent. Parce que l'acte d'achat émotionnel, si je vois un produit, il y a l'émotion qui est suscitée, j'achète. Plus le temps passe, moins les gens sont portés à acheter. Donc, facilite l'accès à l'achat de tes produits. 8. Là, on va rentrer dans un point que... là où beaucoup de gens pêchent, moi aussi j'ai pêché à ce niveau pendant très longtemps. C'est la publicité. Tu sais ma personne, lorsqu'il s'agit de publicité, beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait en général lorsqu'on vient de lancer un produit? On commence par le bouche à oreille, on dit à un ami, deux amis, est-ce que tu peux en parler un peu autour de toi pour dire que je produis tel produit, je vends tel produit et tout. Et sur les réseaux sociaux en général, quand on crée sa page Facebook,
Ensuite, on demande aux amis de partager ma personne. Tes amis vont partager une fois, deux fois, trois fois. Après, ça va les saouler. Et en plus, tu sais aussi bien que moi que ta famille, tes proches ne te rendront jamais riche. Donc, si tu veux faire du chiffre, il va falloir que tu cherches à toucher des inconnus. Et pour toucher des inconnus, il faut élargir ton champ d'action. Et pour élargir ton champ d'action, il faut investir dans la publicité, ma personne. Tu veux mettre en place un business. Tu as créé un bon produit. Investis dans la publicité. Investis dans la com pour que ton produit soit connu. Ne sois pas chiche. Apple, ils sont connus. Mais ils investissent dans la publicité. Ils investissent des milliards. Coca-Cola, ils sont déjà connus. Tout le monde connaît Coca-Cola. Mais ils investissent encore des milliards pour se faire connaître. Donc, je vais te parler Samsung. Samsung est connu, non? Mais Samsung investit encore des milliards chaque jour. Toujours pour faire de la publicité, pour communiquer sur ses produits. La raison est toute simple, ma personne. C'est que pour vendre, il faut que ton produit se voit. Si tu n'es pas vu, tu ne vends pas. C'est une règle basique quand il s'agit du business. Donc, il faut que tu, dans ton budget, que tu prévois un capital uniquement pour injecter dans la publicité, pour sans cesse croître. Parce que nous sommes dans un monde où la seule constante, c'est l'évolution. Donc, à partir du moment où tu vas arrêter de communiquer sur ton produit, tu vas te rendre très vite compte que ton chiffre va baisser. Et si tu continues, tu disparais. Parce que les autres à côté, ils vont mettre du chiffre dans leur business pour communiquer dessus. Et ils vont t'éteindre au fur et à mesure. Donc, prévois une partie. Et il y a quelqu'un qui a dit un jour que 80% de ton chiffre d'affaires doit aller dans la communication. C'est très important. Et lorsqu'il s'agit de communiquer sur la pub, en général, ce que les vendeurs amateurs font, c'est quoi? C'est que ils donnent les caractéristiques de leur produit. Mon produit fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. En fait, le prospect s'en fiche. En général, quand quelqu'un vient acheter un produit, c'est qu'il achète le résultat. Il n'achète pas le produit à lui-même. Personne n'achète un stylo. Ce que les gens achètent, c'est ce qu'il va pouvoir faire avec le stylo. Imaginons par exemple que je viens, je te pose ce stylo et je te dis ce stylo coûte 200 euros ou 10 000 francs. Tu vas me dire, mais tu es bête ou quoi? Pourquoi il va acheter un stylo à 10 000? Mais il va acheter mon stylo à 200 ou à 2 euros, ça me va. Bon, maintenant imagine que je viens te voir et je te dis que bon, ce stylo a été utilisé par Samuel Eto'o. Et je te dis qu'il vaut 200 euros. Tu vas l'acheter? Parce qu'en fait, ce n'est pas le stylo que tu vas acheter. C'est l'histoire qui se cache derrière le stylo. Je vais te dire, mais il y a les empreintes digitales de Samuel Eto'o, mon idole. Donc, avoir ce stylo, c'est un peu comme si tu avais un bout de Samuel Eto'o chez toi. Donc, ma personne, n'essaie pas de vendre les caractéristiques du produit. N'essaie pas de vendre le produit. Cherche à créer l'histoire derrière ton produit. C'est cette histoire-là que tu dois essayer de vendre. Et cette aptitude-là à pouvoir créer une histoire derrière un produit pour pouvoir mieux le vendre, tu les développes en développant tes capacités en storytelling. Ma personne, ce sont les compétences que tu dois développer pour être un bon vendeur. Parce qu'un entrepreneur, c'est d'abord et surtout un vendeur de solutions. Le deuxième point en ce qui concerne la publicité, c'est la loi du 80-20, encore appelée la loi de Pareto. Cette loi dit quoi? Elle dit que 20% de ton produit est responsable de 80% du chiffre d'affaires que tu génères. En gros, quand les gens font de la publicité, qu'est-ce qu'ils font en général? Je parle bien sûr des vendeurs amateurs. C'est qu'ils veulent montrer tous les produits de leur gamme, tous les produits de leur business. Ils veulent qu'on voit tous les produits. Parce que comme ça, ils se disent que si le prospect ne prend pas celui-là, il sera intéressé par ça. S'il n'est pas intéressé par ça, il sera intéressé par ça. Non, ma personne. Identifie les 20% qui vont être capables de générer 80%. Il y a ce qu'on appelle en business le produit d'appel. Prends un produit et mets-le en avant. Et en général, les gens vont venir acheter un produit. Et maintenant, quand ils viennent acheter ce produit-là, tu leur proposes des produits complémentaires. N'essaie pas de vouloir proposer tous les produits que tu as dans ta boutique. Non, ma personne. Parce que quand tu crées un prospectus ou une affiche où il y a tous les produits, mais dès que moi je vois ça, dès que quelqu'un voit ça, il se dit non, il y a trop d'informations. Allez, le cerveau se ferme et il passe à autre chose. Identifie un produit et c'est ça que tu proposes au produit d'appel pour que les gens viennent. Et une fois qu'ils viennent pour cela, tu leur proposes d'autres. Apple fait ça. Apple a commencé par quoi? Par l'iPad. Et ensuite, ils ont proposé la suite de l'Apple pour que ça fasse une gamme. Et ma personne,
Maintenant, on va passer au dernier point. Une fois que tu as fait tout ça, c'est la promotion. Le but de la promotion sur un produit, c'est de créer un sentiment d'urgence. De telle enseigne que quand le client, quand le prospect voit ça, il se dit « Ah tiens, il faut absolument que je saisisse cette opportunité-là tout de suite maintenant parce qu'après, je ne pourrai plus. » Que le prospect ait l'impression qu'il est en train de faire une bonne affaire. Et quand on fait une promotion, il y a deux règles hyper importantes à toujours respecter. Premièrement, c'est la date limite. Si tu dis que ta promotion va durer 3 jours, il faut que ça dure 3 jours. Parce qu'un client ne s'évalue pas sur un achat, mais ça s'évalue sur la durée. Si aujourd'hui tu dis que ta promotion dure 3 jours et que 5 jours plus tard, tu es toujours en promotion, peut-être qu'il y a des clients qui vont acheter, mais prochainement, quand tu vas mettre un produit et que tu vas dire que la promotion dure 2 jours, les gens vont dire, bon, les gens ne vont pas se presser d'acheter, mais ils vont se dire, bon, de toute façon, d'habitude, tu dis que ça dure 2 jours, mais 10 jours plus tard, on réussit à acheter. Récemment, quand j'ai lancé ma formation, comment se lancer en business, quand on est encore étudiant, en prévente, j'ai mis en promotion pour 2 jours. Il y en a qui l'ont acheté. Et 6 jours plus tard, il y a d'autres qui m'ont contacté, ils me disent, Valère, est-ce que la promotion... Je leur ai dit non. Peut-être que je perds de l'argent sur le moment, mais il faut voir les choses à long terme. Il a carrément dit que non. La date limite, c'était il y a une semaine. La promotion est terminée. Donc désormais, si tu veux l'acheter maintenant, tu payes 45 000 ou 150 euros comme tout le monde. Bon, ma personne, vous avez été aussi nombreux à vouloir me gratter, dire Valère, ouais, toi, tu vois, c'est la fin d'année, machin, truc. En plus, il y a les syndicats et tout. Ma personne, la formation commence à lancer en business sera en promotion pour 72 heures. Dans ma personne, l'annonce va être disponible sur ma page Facebook ainsi que dans ma story YouTube ainsi que sur WhatsApp. Ça sera disponible pour 72 heures. N'hésite pas. Après ça, ma personne, ça sera trop tard. Le deuxième point hyper important lorsque tu veux faire une promotion, c'est qu'il faut que la réduction soit forte. Il faut qu'elle soit forte pour que le client se sente vraiment qu'il est en train de faire une bonne affaire. Parce que si tu dis que tu fais une promotion et tu réduis de 5%, ce n'est pas très intéressant. Alors que si tu fais une promotion et tu réduis même de 60%, mais le client se dit, wow, mais c'est intéressant. Même s'il n'avait pas envie d'acheter, il vient quand même voir. Et ici en Europe déjà, ils ont une petite technique, c'est qu'ils mettent les réductions jusqu'à 60%. Donc quand tu vois, et le jusqu'à est très souvent en petit caractère. Et le 60% est en gros caractère, le moins 60%. Donc quand tu vois juste le moins 60% et tu vas à la boutique et tu te rends compte qu'en fait, ce ne sont pas tous les produits qui sont à moins 60%. En fait, il y a un produit qui est à moins 60%, le reste est peut-être à moins 30, à moins 20. Une autre technique encore, c'est de mettre moins 60% sur le produit le moins cher. Tu vois, tout ça sont des espèces de techniques au niveau des promotions que tu peux mettre en place pour pouvoir vendre tes produits. Donc voilà, ma personne, ainsi les 9 points en ce qui concerne le marketing que j'ai pu recenser dans le livre qui s'intitule 40 ans de prison ou 5 ans de travaux forcés que je te conseille vivement d'acquérir et qui est disponible dans le lien en description ou sur mon site internet argentlivre.com. Franchement, ce livre, je crois que c'est au moins la 6e vidéo que je fais sur ce livre parce que chaque jour je le lis et je le relis et les stratégies qu'il y a là-dedans sont juste énormes. De ma personne, lâche-toi. Bon, ma personne, on récapitule les 9 points en ce qui concerne le marketing. Premier point, définis ton client idéal. 2, où se trouve ton client idéal? 3, travaille sur la présentation, le visuel packaging de ton produit. 4, définis un prix et le prix sera intimement lié à ton positionnement. 5, la qualité de ton produit, c'est très important. 6, la relation client, c'est ça qui va permettre de fidéliser ta clientèle. 7, le processus d'achat doit être le plus simple possible. 8, la publicité, c'est très important pour pouvoir faire plus de ventes. Et enfin, 9, la promotion, ma personne. Donc voilà, ma personne, la petite capsule que je voulais partager avec toi. J'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à cliquer sur tous les boutons. Sur ce, je te dis, ma personne, on est ensemble, on est ensemble et on se ressemble. Donc, cherchons là, dis donc, cherchons là, oh, tu es plus beau que qui.